Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du petit live tranquille du samedi. On vient de goûter donc on va digérer là. Il faut qu'on digère. Donc, à l'épisode précédent, on a construit des blocs de chaudière. Ouh, on a déjà pas mal. Alors, j'espère qu'on s'est pas planté dans les calculs. Bon, tu me diras après, on l'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup miné, hein, c'est les graines qui font le boulot. Ce qu'on va se faire, c'est que notre système se bloque quand on le charge trop vite. Parce que il prend tous les aciers, donc si tout le truc d'acier se remplit, bon, on se ramène pas avec 9 stacks d'acier, quoi. Mais s'il se remplit, il n'y aura plus de place pour le faire et il va se bloquer. On va donc tester un système avec. Mais il faut que je refasse du tube pipèze. Ouais, il faut de la redstone, 6 lingots de fer et 2 droppers, donc il faut 3 redstone. Oula, faut qu'on mange. Combien il faut de 6 aciers? Tac. Non, c'est comme ça. Ça. Et voilà. Ok. Et bien en même temps, on va se reprendre. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Et un stack. On a bien 8. Ouais. Donc il faut qu'on tienne nos comptes à jour. 8, ça fait 512. Donc 1024 plus 512. Ça fait 1536. Et. Ah non, on n'a pas pris 512. Ah, brin! On en a pris 256 là. Ah non, on en a 8. Oui, il faut que je prenne 2 stacks de fer. Ah, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, on les a pas. Ah, brin! Ah, brin de brin! Ah, oh, brin de brin de brin de brin de brin! Ah, mais qu'est brin! Comment on va faire? Va falloir attendre. Ou sinon j'en remets Pourquoi d'ailleurs j'ai 2? Ah c'est pas 8. C'est pas 8, c'est 7 qu'il faut. Ok. Je vais les remettre. Et j'en reprends 1, 2, 3, 4. Donc j'en prends 256. Et là j'en ai pris 64. Je vais rester avec des puissances de 2, ça va être plus simple. Si, si, je vous assure, ça va être plus simple. Hein. Attends, il faut prendre un. Ah bah je reprends un double. Hop, hop. Alors, la clé. Drawer. Plop. 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 C'est bon, il se charge en même temps.
En ce cas, c'est que le fer, comme il est dépensé moins, il va charger plus, mais comme il y en a moins, c'est bon. Ça peut pas se bloquer. Ça roule. Ah, j'ai encore un bloc de chaudière ici, moi. Voilà, il n'y a plus de fer. Tout le fer est là. Et l'acier bah, continue de descendre doucettement. Et comme il est en deuxième position, il n'a pas pu se blo- il a pas pu être bloqué. Donc si on balance des grosses quantités, c'est mieux. On va vite les avoir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à construire en deuxième? Bon, on va continuer un petit peu là-dessus. Plaque, plaque, plaque. C'était les circuits de contrôle avancés, on les a fait. Les V1, il en fallait 848. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 9. 9 fois 64. Ça fait 576. Il en manque. 848 moins 576. Il en manque 272. C'est-à-dire qu'il en manque 4 stacks un quart. C'est-à-dire 64, 4 stacks plus 16. Pour ça, il y en a plein à côté. Hop. Hop. Et ça, c'est principalement utilisé pour faire... le verre structurel et les boîtiers en acier. Ouais, il en faut pour les boîtiers en acier. Boîtier en acier. Boîtier en acier. C'est où ce truc là? Boîtier en acier. C'est utilisé où les boîtiers en acier? Dans les éléments de surchauffe et dans les chauffeurs à combustion. Je l'ai pas mis dans le petit cul ça. Ah oui, ça nécessite du verre. Ah ben, l'osmium, lingot. Et là, il y a 4 composants. Ça va être chaud à fabriquer tout ça. Hein. Oh, il va faire nuit. Il fait nuit. Salut Gabuzoïd. Alors. Plop, 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 plop. Est-ce que je m'en fais un deuxième? C'est-à-dire ça, tant que c'est pas fini, je le laisse. On peut faire les autres en parallèle. Donc là,
on fait les blocs de chaudière. On peut se faire les boîtiers en acier. Il en faut 212. Donc on reprend un autre. On reprend un. Un crafting auto. Ouais, on va le poser. Ah oui, par contre. Ouais. Donc il faut un coffre. On n'a pas besoin d'avoir de trou en dessous, hein, puisque lui il a pas de, y a pas de tuyau. Mais bon, comme ça ils sont tous sur le même modèle. Par contre, il faut pas que les tuyaux ici ils viennent se toucher. Donc il faudra leur mettre un petit coup de clé. On va se faire deux. Donc il faut qu'on se fasse deux coffres. Et puis il faut 7. Donc 7 fois 2, 14. Bah ça. Et donc on se fait ça. Ah mais oui, tac, tac, voilà. Donc là, on se les met là. Donc là, on prend la clé et on clique ici, voilà, pour séparer. Et là, c'est en sortie. Et là, c'est en sortie. Ok. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, c'est construire les boîtiers en acier. C'est ces fameux trucs là. Donc il faut 4 aciers, un osmium et 4 verres. Donc l'osmium, on en a pas mal. Donc si on prend 2 stacks d'acier, il faut prendre un demi stack d'osmium. Hop. Et donc le vert ça compte dans ceux qui sont déjà là-bas. Et donc il faut deux stacks de vert. Tac tac. Donc on met la. Hop. On met la recette. Et donc on va faire comme les autres. Donc on sépare les deux qui sont le plus demandés, l'acier et le verre. Et on met l'osmium ici. Ah ouais, mais du coup l'osmium part pas. Ah. Ouais. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de jus. Il faut lui balancer de la redstone. De la redstone et puis il faut avoir un bloc. Bloc, bloc. Hop. Viens, viens, petite redstone. Ta-da-da-da. Et il en faut deux. Ta-ta-ta-ta-ta. Hop. Donc une ici. Une là. Et donc là, la technique. Hop, deux voyous. Et c'est bon.
Pop. Comment ça se passe quand on a des recettes avec de la flotte? Bon, ça doit pas bien marcher. Voilà, c'est fini. Alors, on s'en est fait combien là? 31. Et il nous en faut. Il en faut encore un petit peu. Hein. On avait coincé sur quoi Non, on avait coincé sur rien là. C'était tout à l'heure avec le fer. Parce que là, on peut en reprendre 1, 2, la moitié d'osmium. Donc on prend 4, hein, 4, et on prend 4 de verre. Donc 1, 2, 3, 4. Alors on balance d'abord l'osmium. Ensuite le truc et ensuite le verre. Et hop. Alors 212 ça fait combien? Hop, 212 divisé par 64, ça fait 3. Et 212 modulo 64, ça fait 20. Ça fait 3 plus 20. On va l'écrire comme ça, ça évitera de passer à la ligne. Ah, il y a l'osmium qui s'est bloqué là en fait. Ah, ça y est, ça va se débloquer. Ok, ouf. Heureusement qu'il reste le 9ème cran quoi, pour débloquer le truc. Hein. Sinon, on était mal. Ben, on en fait autant d'osmium. On a ramené un stack d'osmium. Donc, on va en faire un stack et on avait à la moitié. Donc, un stack et demi. Oui, il va falloir le faire plusieurs fois ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc les trucs qui sont utilisés dedans, c'est bon. 22 chaudières, ça va utiliser des blocs de chaudières et des circuits de contrôle avancés. Et puis aussi, sinon, il y a le verre structurel. Donc le verre structurel 106, est-ce que ça vaut le coup de faire une machine? Quand il n'y en a pas beaucoup, il faut 106 lingots d'acier et 106 divisé par 4 verres. On va pas faire une machine. Oh, il va faire nuit. Oh non, brin. On va dormir, hein, on va les attaquer au petit jour. On va les attaquer au petit jour. On va les attaquer au petit jour. Eh les gars!
Bon, ouais, qu'il y en a encore un. Et vous étiez à combien là, les gars? C'est bon là, c'est fini? Ah, non, 20 non. Alors, il y a des trucs que je jette. Ça, il aurait fallu que je leur laisse là-bas. Quoique si après on se refait une machine. Hop. Je suis pas loin de mon coffre à bras. Allez, hop. Il faut que je boive du lait. Alors, 106. 106, ça fait... Oh, pourquoi je les ai pas pris? Ça fait 64 plus 42? Non. Ouais. 64 plus 42. Ah ouais, donc il faudrait que je mette que j'en ai pris 106. J'en ai pris tout à l'heure, je l'ai pas noté. Bon, c'est mort. Du coup, voilà, ça y est, notre chiffrage est mort. Ça partait tellement bien. Ça partait tellement bien organisé. Et puis, Et puis voilà. C'est triste. C'est triste à dire, je suis un peu triste. Parce que je m'attendais pas à un truc comme ça. Bon, 106. Allez. Le verre structurel, c'est fait. D'un autre côté, des vannes de chaudière, il en faut que 58. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de faire une machine? Après, c'est que des trucs petits. Hein. C'est que des trucs petits. Après, des fois, il y a des trucs pénibles. Et surtout, si on les fait pas en un coup, ce qui est pratique, c'est de les de venir les charger et pouf pouf, c'est fabriqué, quoi. On va les laisser dedans pour savoir, parce que là, il en fallait 212, c'est-à-dire 3 plus 20. On va les faire direct. Hein. Tac, tac. Donc c'est 4 d'acier, 4 de verre et 1 d'osmium. Oh, l'osmium, on va être juste. Combien il en fallait d'osmium? 400. Je sais pas combien il y en avait à base, mais on les a pas les 400. Donc faudra peut-être les booster dans la... Il faudra peut-être les booster, les petits pépères. Allez, on balance l'osmium. On balance le verre. Ah, oui, il faudrait le prendre là. 1, 2, 3, 4. Ouf. Pas ça qu'on voulait faire. C'était ça. Hop. Impeccable. On a bouché. Là, on bouche deux trous. On bouche deux trous avec tout ça. Bon, on a balancé tout l'osmium, donc on peut balancer le fer. L'acier.
comme ça en produit. C'est dommage qu'il faille cette... Enfin, c'est dommage, c'est pas plus mal, mais qu'il faille cette petite réflexion pour se dire « Tiens, faut d'abord que je commence par charger tel truc, puis après je peux charger tout le reste. » En fait, faut commencer par charger ce qui est le moins demandé. Comme ça, la fabrication démarre tout de suite, alors que si on charge les plus demandés et que le moins demandé arrive après, comme la fabrication ne va commencer que quand le moins demandé va arriver, il va arriver longtemps après les autres. Bon, ça y est, on a tout délivré. Pop, on va pouvoir produire. Par contre, là, je sais pas combien... C'était 2 stacks. On va en faire beaucoup, là. 64 plus 30. C'était combien? 212... 3 plus 20. Donc là, il en manque 40... il en manque 60. Ah, on va être... Non, non, on va en manquer parce qu'on en fait 1. Oui, non, il va en manquer. Non, non, ça consomme pas mal. Ça consomme pas mal. Par contre, faut se méfier pour la prochaine truc parce que... On va compter. En fait, faut se baser sur l'osmium et les autres, faut les multiplier par 4. Donc là, on est à... Déjà, on n'a pas un compte juste. Ah. C'est embêtant. Je serais enclin à dire que c'est embêtant. On a loupé un truc, là. On aurait dû avoir 32, non? Vu comme on chargeait les trucs, non? Bon, faut 2 plus 20. Ça veut dire qu'il en manque... Ouais. 3 plus 20. Donc, il en manque... 33... Il en manque 53. Donc il faut 53 d'osmium. Et donc 53 fois 4... Hop, la calculette. Non, je le fais de tête, en fait. Ça fait 212. Donc, il faut 212. Toc, toc, toc. Donc, 212 divisé par 64, ça fait 3. Et 212 modulo 64, ça fait 20. Oh, c'est marrant, ça. Alors, ça, c'est marrant. Donc il en faut 3 plus 20. Bon ben il en manque 18. Hop. Pareil pour le verre. 3 plus 20. Donc ça, là ça va pas le faire. Je sais pas où t'as appris à compter, Bob, mais ça va pas du tout. On avait peut-être pas amené tout ce qu'il fallait, remarque. Hein. On avait peut-être amené ça à l'arrache et. Donc 3 plus. 20. Il y en a 3 là. Plus 20. Ok. Donc. Si on ne s'est pas planté, on balance l'osmium. On balance le verre. Et là, on peut balancer le fer. Et ça va commencer à produire. Et ça va pas se bloquer. Par contre, l'osmium, du coup, il est bloqué, lui. Ouais, logique, l'acier a pris après le dessus. Donc quand on aura fait les 17, ce qu'il faudrait presque faire, c'est le balancer ici le reste. Bon, ça roule. Allez, on dort.
Et puis après, on va se refaire un petit quoi qu'on fait pour savoir ce qu'on fait. On a plein de choses à faire. Donc là, c'est tout plein. Le sens des coffres, ça serait pas de vider le casier du haut et après celui du bas. Ouais, donc faudrait mettre le... En fait, faudrait mettre le plus... Celui qui voulait le plus petit en haut. Faudrait mettre en fait, faudrait mettre l'osmium en haut. Ici, pour ce cas présent, faudrait mettre l'osmium en haut et l'acier en dessous. Bon, là, c'est bon, on a fait nos... Normalement, on doit avoir nos 3 plus 20. Ah ouais, puis on en a un de plus. Ah non, bon, on les récupère, ceux-là. Oula. Parce qu'en fait, c'est pas une recette. C'est des... C'est assez étrange. C'est des trucs qui sont censés être faits, mais ils sont jamais faits. Donc, ils prennent de la place. Ok. Hop, hop, on les efface. On les reverrouille. Et c'est bon. Tac, tac, tac. Tac. Ça, je vais le remettre là-bas. Du coup, on a des trucs en trop. Mais on a bien, a priori, ceux qu'on a demandé. Donc, les... je vais aller les mettre dans le truc ici. Hop. Je vais les ranger. Allez, on range. Hein. C'est le fanatique du rangement, là, le Z. On l'arrête plus. Il est tout le temps en train de ranger. C'est complètement dingue. Toc, toc, voilà. Qu'est-ce qu'on va fabriquer? Ah oui, on va faire un quoi qu'on fait. Alors, soit on continue ça. On va aller voir ce qu'il nous reste à faire. Enfin, ce qu'on a à faire. Ce qu'il nous reste à faire... Bah, il y a le Titanic. Ah bah oui, il y a le Titanic. Allez, règle numéro 1. Donc du coup, les boîtiers en acier, c'est fait. Donc sinon, affaire Titanic, cloison à monter. Oui, on peut faire le niveau 10. On peut faire le niveau 10. Chaudière, bah on peut continuer les chaudières. Il y a les portes des soutes, les toits des ateliers et les fabricateurs. Donc après, pour le reste, bah voilà. Donc je mets tout ça au sondage. Je mets tout ça dans le sondage, si j'arrive à retrouver la fenêtre. Donc ça va être le quoi qu'on fait numéro 2 de la journée. Numéro 1 de ce live. Alors le live est toujours en deux parties pour, à cause de la rediff. Parce que 5 heures de vidéo, ça ferait être beaucoup trop long. Hein. Nouveau sondage. On est d'accord, ça fait beaucoup trop long. Quoi qu'on fait 2. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Titanic coque. Le niveau 10. Les chaudières. Donc on continue ce qu'on était en train de faire. La porte des soutes. À charbon. Porte des soutes charbon. En 3. Le toit des ateliers. Eh oui, c'est le truc pénible, mais de temps en temps, il faut s'y mettre. Et les fabricateurs. Fabricator. Et hop, c'est parti. J'ai perdu mes sources. Hop. Après, il y a ça qu'on tapotait. Hein. Pour éviter d'avoir une falaise de bouse.
Bah ça faudrait l'enlever si on rajoute... mettra peut-être plutôt de la terre ici, hein. Oh, ça y est, c'est fini. Je vais mettre la terre. Qui a gagné? C'est le Titanic Coq. On fait le niveau... Alors niveau 10 ou niveau... Non, on avait fait le 9, donc niveau 10. Ok, deck. Spinaine brute. Quand même mieux que du sable. Bon, bien le truc, on pourra l'augmenter pour le mettre à ce niveau-là, quoi. Et puis un de ces quatre, quand on aura assez de courage pour faire du béton. Ou qu'on trouvera une machine pour automatiser avec le avec la flotte, on fera tout le quai en béton. Oh, ça va être top. Alors, Titanic. Faut qu'on prenne des blocs qui vont bien. Ah, il va falloir du fer. Ah, oh, ben. Toc, toc, toc. Ben, je remets ça. Ouais, ça, je le garde. Alors... Du coup, on sait plus du tout au niveau acier si on en a assez ou pas. On était à deux cloches de fer et une cloche d'acier. Après, on a 50 pots d'acier. Le plus gros, c'était pour faire les... Après, on va encore en manger de l'acier. Hein. Rien que les 52... Non, je les avais comptés, remarque, les 52... Et blocs d'acier pour les chaudières. Non, porte des soutes à charbon, je les avais comptés. Je les avais comptés dans le lot. Parce qu'il il faut 52... il faut 52 trucs. Mais comme vous n'avez pas voté pour ça, tant pis, hein. Tant pis. Voilà. C'est tant pis. Hop. Donc il en faut, hein. Il en faut, tant pis. Hein. Mais je passerai bien les trois cloches en fer. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous feriez ça, vous? Ça, je le fais avec ça. Et là, on transforme ça pour avoir ça. Hop. Et on va se prendre le ciseau pour transformer... si j'en garde deux... Ouais, trois. Hop, allez, on range le ciseau. On va prendre... Oh bah il va faire nuit, donc... on va attendre que ça se couche. Philbur, il dit qu'il faut en rajouter une de cloche. Mais non. Mais non. Oh, il reste du thé. C'est pas grave, on refera une pause technique tout à l'heure. Au goûter, pause technique peu après. Ouh, il faudrait qu'on se fasse une... Ah ouais, je les utilise pas ces trucs-là. Les pancartes de traviole, comment ça se fait? Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, mais ça vaut le coup pour marquer le bureau du chef, hein. Ça coûte cher quand même. Et surtout qu'il faut deux chaînes.
Non, sérieux, deux chaînes. Vache. Le fer, ça va pas le faire. Ouais, je l'ai déjà faite. Oh, attends, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'était 1, 2, 3. Pas des stacks, pas des stacks. Non, non, on s'en sortira pas si on fait des stacks. Alors, hop. Deux chaînes. Bloc. Il faut 6. 6 trucs pelés. Des bûches de chêne, hein. Pas des planches, hein. Des bûches. Ah oui, mais ça en donne 6. Ah, oh, j'ai eu peur. J'ai cru que ça donnait peu quick. Parce que vu la masse 6 terres de bois, tu fais 6 pancartes. Ouais, ouais. Alors, en Suède, avoir beaucoup... Suède, avoir beaucoup forêt. C'est pas l'accent suédois? Ouais, mais c'est pareil. Moi, je suis assez limité hein, dans les accents. Alors. Oh, c'est tout petit. Bureau de le chef. Voilà. Et je le montrerai à Madame Z. Parce que des fois, elle a un petit peu tendance à dire... On peut écrire des deux côtés? Oh, c'est formidable! Oh, c'est formidable! Oui, parce que Madame Z, de temps en temps, elle a tendance à dire que ça serait pas... Ça serait plutôt elle le chef, quoi. Donc, des fois, ça, ça lui prouve que ça se met au masculin, quoi. Tiens, coffre à brin. Ah non, je vais le mettre dans mon... J'ai un spécial truc à bois. Ah bah tiens, pouf. Voilà, nickel. Qu'est-ce qu'on devait faire? Ah oui, la coque. Hop. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Allez, je prends ça. J'ai tout ce qu'il me faut. Allons-y. S'il manque quelque chose, on reviendra. Hop. Alors. Ah, on va pas réussir à grimper là. Est-ce qu'on peut grimper après? C'est pas évident, hein. Ah. On s'est fait feinter, là. Ah oui, il faut passer là. Hop. Ouais, là, on peut. Là, on pue. Elle, la chef. Je l'ai écrit dans mon cahier MC. Non, je l'ai pas écrit dans mon cahier. Je voudrais que l'écrive cahier du chef. Dans mon cahier, cahier. Il est un petit peu sale. Oh oui, il est... Oh vache. Ouais, non, il faudrait que j'écrive cahier du chef sur mon cahier. Mais là, il est un peu sale. Il est la couverture est plastifiée et... Donc, on avait fait la couche 9. Donc là, on va faire la couche 10. Et on commence par une longueur de 3. 1, 2, 3. Et donc là, on va... Oh! Miracle! Miraculous! Donc on va faire... Hop! Et... Hop! Et... Hop! Ensuite... Alors j'ai coché le 3. Ensuite on met 5. 2, 3, 4, 5. On fait la même de l'autre côté. Ouais, pendant qu'on y est. Allez, je coche 5. On fait 4. 1, 2, 3, 4. Hop. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Aïe, 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 aïe. Allez, dégâts de la vieillesse.
Hop. Donc là, on est ici. On est ici. On se disperse pas trop. Ensuite, on met 4. 1, 2, 3, 4. On met 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je coche avant. Hein. Hop, je coche 4. Coche 3. Je coche 5. Je me demande si c'était pas pour faire une petite... Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Toujours est-il que sur le modèle original que je suis... sur le modèle que j'ai fait, j'ai fait ça. Après, on le voit pas trop, hein, c'est sous l'eau. Et s'il a des problèmes aérodynamiques, on s'en tape un petit peu le coquillard. Vu qu'il va pas beaucoup bouger, celui-là. Après, on passe à 6. 1, 2, 3... 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, mais il y avait des cloisons à faire, là. Bon, j'ai coché le 7. On va faire les cloisons. Alors. Ouais, on mettra après celui-là. Normalement, il y en a un, c'est symétrique. C'est symétrique. Et Patrick Topalov. Alors, après, c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, Souter Charbon. Je l'ai pas fait là. Pourquoi je l'ai pas fait là? J'aime pas beaucoup ça. C'est vrai qu'ils ont un bruit sympa, ces blocs. Ils sont extra. Hop. Alors, on en était resté au numéro 10. On claque un 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est mon deuxième 10. Et donc après, on sera sur la longueur la plus large. Patati patata. J'aurais pu faire... Ah! Ah, brin! Ah! Pas au prix que ça coûte! Comment on ressort, là? Ah, bah ici. Et on peut remonter? Oui, bah on a de la chance. Non, on peut pas remonter. Ah, c'est à l'autre qu'il faut aller. Ici.
Pardon, madame. Oh, on aurait peut-être pas dû remonter. Tic. Alors, faut qu'on remonte dans le bazar, donc faut qu'on... Voilà, on est remonté. Pourquoi aller faire le 50 000 tours? Alors... Alors là, il en faut. Donc 138, c'est 2 stacks plus 10. 128 plus 10. Là, vous dites. Oh, il compte. Il est fort quand même. Oh, tac. 128 plus 10. 138. Voilà. Ouh. Ouch. Donc, après on en met 12. Alors ouais, il y a du... là, il y aura du remplissage à faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. Après 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, il en faut 5.
3, 4, 5. 3. Quatre. Trois. Encore un autre trois. Quatre. Cinq. Quatre, quatre. Un premier. Un deuxième. Oula. Un troisième. Et un quatrième. Ensuite un 1. Et puis là le 5 au-dessus du trou. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement on doit pouvoir casser ça. On va faire de l'autre côté. On repart de l'autre côté. Donc un 1. Ici. Un 4. Ah, c'est la série des 4-4. Ouais. Hop. Et normalement, on est bon. C'est impeccable. Donc après, on se tape un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite un 3, 1, 2, 3, un 4, 1, 2, 3, 4, donc là il y a de la redstone, on n'y touche pas. On est à la bonne hauteur là, ouais. Et au bout, on avait 3 blocs lisses. 3 blocs lisses. Alors, on était sur un 4. Donc ici, on a un petit 3. 1, 2, 3. Et un autre 3. Après, un 4. 1, 2, 3, 4. Un 3. 5, 1, 2, 3, 4, 5, et un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là c'est ça. 1, 2, 3. Là faut faire gaffe, faut pas le casser, faut pas casser le fil de redstone. Faut pas casser le fil de redstone. Pas casser le fil de redstone. Ah oui, de l'autre côté, je l'avais dérivé. C'est pour ça que c'était pas ici. Ok, 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 ok. D'accord. Donc, après, on est sur un 14. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, ça a l'air cohérent. Après un petit 12. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc là, pareil, pas couper fil. Ah ouais, en plus, double. Ah bah bravo. Donc, 1, 2, 3. Pourquoi là c'est pas c'est trompé, c'est moche, pas couper fil redstone. Là c'est truc, là c'est tout doux. Hop, ouais, là on a fait une erreur et en plus c'est là où on a accroché une torche de redstone. Bras de brin, vite, rien n'est torché. C'est hyper dangereux. Ouf, ici il y a de la lumière. Heureusement que c'est bien torché. Hop. Hop. Est-ce qu'on va en avoir assez? Il y a encore toutes les trucs à faire dans le milieu. On va peut-être en refaire une série, hein. Pour le rouge, ça va être pareil. On a la grande série de 138 à se faire, mais il y en a encore dans le coffre, je crois. Alors, hop. Ah oui, on voulait, je voulais mettre toutes les... c'est choquant. Hop. Elles sont vraiment sympas, les petites lumières au plafond entre les portes. Ouais, je trouve aussi. Et ça devrait être en vanille. Parce qu'en fait... Qu'est-ce qu'on a comme lumière dans... ouais. Dans Minecraft, à part les torches et les trucs qui pendouillent, mais qui font très moyenâgeux, on a les blocs, là. Mais bon, soit il faut aller dans le Nether pour les avoir, soit il faut se démonter un temple de la mer. Le coût difficulté à récupérer est quand même conséquent, quoi. Oui, il faut que je récupère du rouge. Ah, du rouge, j'en ai. Il y a plus d'eau. Mais il y a du rouge. Et c'est tant mieux. Je vais refaire du lisse. Parce qu'on en consomme plus que de l'autre. Voilà, ça fait déjà pas mal. Hop. Tac, tac. Les barres de lumière de l'End, elles sont moins évidentes à récupérer parce qu'elles bouffent vraiment toute la place et tu te cognes dedans. Ce qu'il y a de bien avec ces petites lampes, c'est que... bah, c'est petit, on se cogne pas dedans. On passe à travers, un peu comme les torches. C'est bien. C'est bien.
Ah oui, on était loin, dis donc. Oh vache. J'ai cru qu'on avait bien avancé sur le retour. Bon, tu me diras qu'une fois qu'on aura fait le 138, on fait la moitié du bateau, hein. Mais quand même, je pensais qu'on avait été plus loin. Bon, pas toucher ça. Pas toucher. 1, 2, 3, le truc est là. Ah oui, il aurait fallu... Il aurait fallu réparer ça, qui est plutôt moche. Alors. Donc, ah, brin. On pète ça. Elle est partie de l'autre côté. Ah, brin. Ah oui, il n'y a plus la torche. Oh, bon, tant pis. On va prendre celle-là. Voilà. Donc on le remonte. Cloque. Ah, je l'ai récupéré. Ah bah oui, 3. C'est bon, je l'ai récupéré. J'en ai récupéré 3 là, donc j'en ai posé une, j'en ai toujours 3, donc c'est que je l'ai récupéré. Ça va être dur de repartir en vanille après deux séries en modé où je joue quand même, on va dire, intensivement quoi. Hein? Vous croyez pas? Alors attends. Ça va. Ouais, bon. Hop. Ça durera que ça. Hop. Alors. Là, on est sur le grand 138, donc 128 plus 10, 64 plus 64 plus 10. Ah ouais, mais en faisant comme ça. On reviendra refaire les intermédiaires. En fait, c'est pas pour rien, Filbur, qu'ils appellent ça vanille, hein, quand pour dire, en fait, ça veut dire de base. Pour les Américains, le goût vanille est le goût de base, standard, en fait. Mais après, ce qu'on peut se dire en grattant un peu le truc, c'est que la vanille, ça se marie avec tout. Ça va avec tous les parfums. Ah, puis alors une petite glace vanille avec une petite avec une cuillère à soupe de marc de Gewürz dessus. Bien entendu, il faut inviter les cousines, hein, Parsi et Maude.
Sinon la fo... Sinon la fête est moins folle. Mal avec le double clic, hein. Je sais pas pourquoi. En fait, je fais un double clic et après un déplacement. C'est bizarre. C'est très bizarre ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que la molette elle bouge. Et quand on bouge la molette, on bouge le curseur. Donc faut faire un clic molette sans bouger la molette. Ah oui, la vie c'est compliqué des fois. Hein. Quand on sucre les fraises. Hop. Pop, hop, 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 hop. Bien sûr qu'on est bien avec moi, Roxor. Hop. On arrive au bout, en plus. Après, on va pouvoir reglander. Parce que là, on bosse peut-être encore un peu beaucoup, là. Enfin, surtout moi. Vous, c'est tranquille, vous regardez. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Heureusement que c'est pas... Il y a un petit rythme à prendre. 3 plus 1, 3 plus 1, 3 plus 1. Ça fait un petit peu... polka piqué, là. Tu adores glander. Tu es sur la bonne chaîne. Nous allons construire le Titanic en 358 épisodes. Nous sommes actuellement au... Ah, on est quand même au 50e. Oui, tout à l'heure, c'était le 49. Donc là, c'est le 50e épisode de nos aventures... fabuleuses. C'est fabuleux. Oh, vache, il y en a encore. Non, abusé, là. Là, je commence à en avoir un peu marre, hein. Franchement, ouais, voilà. Et quand on a marre, on fait n'importe quoi. Et souvent, je dis à Madame Z, hein, quand on fait des travaux, à la première bêtise, on dit, il faut qu'on arrête, on va faire trop de bêtises, on va être obligé de tout démonter et refaire demain. Et là, elle me dit, mais ça fait 5 minutes qu'on travaille, là. Ah bon? J'ai pas eu le temps passé, disons. Donc ça marche pas à tous les coups. C'est dommage. Ça passait, c'était beau. Hop. Il fait nuit. Hop, hein, il restait quasiment rien à faire. Clac. Allez, hop. Après, faudra revérifier que toutes les portes, elles bougent encore. Hein. Surtout les simples. Hein. Celle-là... Ah, c'est pas ici. Les celle-là, ça devrait aller, mais... Ah non, j'ai été trop loin. Ah, brin. Au 31e épisode, on était là. On avait 4 cloisons de fête. Est-ce que ça va le faire, les... Oui. Au pire, on remontera.
C'est pas ça qu'il fallait faire. C'est pas ça qu'il fallait faire. Fallait remonter là. Tu peux mettre des couleurs sur les étages si jamais. Ah! Il faudrait déjà que j'ai plus de deux étages. Après, on aura un niveau intermédiaire, je pense. Puis après, on va monter beaucoup plus haut. Hop. Oh, regardez! On va se mettre à travailler. C'est notre dernière cloison, on va travailler intelligemment. On va mettre tous les blocs d'une seule sorte, comme ça on n'aura plus à changer de... Oh, vache. Oh, trop intelligent, Z. Oh, regardez la vitesse à laquelle on va. Ah. Hop. Dire qu'on pose autant de cloisons et qu'il va couler. Ouais. Dire qu'il y a un mec qui s'est dit... Non mais c'est bon, on n'a pas besoin de les mettre jusqu'au bout, ça va aller. Ça va bien se passer. Un génie, quoi. Bon, il y a son chef qui a dit... Non mais c'est bien, faudrait pas que ça coûte trop cher. C'est bien, t'auras une promotion. Ah, pas... Pas couper le fil de redstone. Sinon ça marchera plus. Alors ce qui serait bien, c'est de tester individuellement chaque porte, et puis après de tester toute la descente. Hein? Mémo. Là-bas, ça n'a pas été fait. Oh, mais on en a pas fait combien, là? Ah ouais, on est toujours sur la grande ligne droite. Ouais, bah là, pas couper. Pas couper le fil de redstone. Et là, tu te demandes pourquoi j'ai pas fait ça avant. Parce que ça aurait été trop vite. Et si tu bosses trop vite, eh ben ton patron, il te donne un autre boulot. Et les jeunes, faut tout vous expliquer. Hein. Ah, on va avoir le même problème que tout à l'heure. Alors on va le résoudre tout de suite. Ah ouais, sauf que... Alors attends... Comment je vais pouvoir poser la... Ah, j'ai perdu la redstone. Bon, on le refera d'en bas. On le refera d'en bas. Un, deux, stress. Pas couper fil de redstone. Ah. Où est la redstone? Ah ouais, là aussi. Oh vache, ça craint là. Hop. Ah, attends. Il va falloir remonter. Pop, pop, pop. On l'a pas vu, Shfredo. Ah, il est là. Il doit avoir du boulot. Il faut qu'ils payent une retraite, hein. Donc. Tiens, oui, on va tester individuellement. Bah, ça descend. Bloc. Attention, il faut attendre que ça ait arrêté de tourner. On peut le remonter. Et l'autre, pareil, là-bas. Hop. Ça descend. Ça descend et ça revient. C'est fait d'un tout petit rien. Là, c'est pareil. C'est bloc comme ça, là, ici. Hein. Et on peut la remonter. Là, par contre, c'est embêtant parce qu'il doit y avoir de la redstone dessus. Enfin, c'est embêtant. Comme si ça nous arrêtait. Ah! Tac. Et on pose là. Non. On pose ça ici.
Aïe. On s'est explosé par terre. Vous avez vu, ça fait du rouge. Ah, c'est horrible. Ah, mais c'est horrible. On peut remonter là. Voilà, on a fait le quart du bateau, hein. 350 épisodes, c'est rien, c'est peu, seulement. On a quasiment fini là. Hein. On a quasiment fini. Hein. Fin G dans le nose. Hein. Va peut-être même falloir qu'on ralentisse un peu. Alors, on en était où? Faut faire un petit 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un autre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup ici, tac. Ensuite un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça correspond. Ça correspond. Ah oui, il y a la colline à abattre en plus. Ouais, mais ça, c'est hors. 2, 3, 4, 5, 6. C'est les machines qui vont le faire, ça. 1, 2, 3, 4, 5. Comme dans Matrix. Les machines vont prendre le pouvoir. Elles vont détruire les collines. 4. Ouais, c'est valide. Ensuite, derrière, un petit 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un petit 4. 1, 2, 3, 4. Un petit 5. 1, 2, 3, 4, 5, un petit 3, hop, un petit 4, 1, 2, 3, 4, ouais, c'est bon, on est bon, un petit 5, 1, 2, 3, 4, 5, un petit 4, 1, 2, 3, et 4, on a fini. Oui, finito. Les nouveaux 10. On est sur les niveaux 10. Ouais, allez, pop. Bonne soirée, Hotbug. Hop. Qu'on peut traduire en français par bog bouillant. Oh ouais, on va t'appeler bog bouillant maintenant. Bon, on range tout notre bardala. Attends, on va faire comme ça, tac tac, puis comme ça. Et comme ça, c'est bien rangé. Oh, c'est chouette. Allez, qu'il est beau l'inventaire. T'as vu, J1? T'aimerais bien en avoir un comme ça d'inventaire, hein. Je pense aussi à nos amis Clampin, Leto, les rois du rangement de l'inventaire. Bureau de le chef, c'est chez moi. Y a quoi dans le coffre de l'ascenseur? Bah les trucs pour les trucs qui me servent pour le Titanic. 18h34, on peut dormir. Ah, brin. J'ai pas cliqué sur le bon côté. Dark Souls, c'est des jeux trop faciles, ça. Et ça bouge si on le cogne?
Oh ouais! Oh, c'est beau! Oh, ils sont forts chez Mojang, hein. Ah, je suis impressionné là. Non, là, je suis impressionné. C'est très 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 fort. C'est très 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 fort. Non, il n'y a pas à dire. Vu la quantité de boulot qu'ils abattent entre deux versions, je pense que je pourrais postuler là-bas, non? Bon, qu'est-ce qu'on fait de beau? 18h18, c'est pas la fin du live? Ah, brin! Affaire. Donc on va pas remettre les cloisons en montée dans le sondage. Chaudière, on continue de fabriquer tous les aimants de la chaudière. Faudrait peut-être en monter une après. Porte des soutes à charbon, le toit atelier, les fabricateurs. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et qu'est-ce qu'on rajoute? Doubler les réverbères? Ouais. Ouais, doubler les réverbères. Où est mon écran? Ah brin, j'ai... Ah, je suis trompé de bouton, excusez-moi, j'ai balancé la pub. Oh, mais que je suis bête. Le bouton sondage, il est à côté du bouton pub. Zut. Zut de zut. Ah. Quoi qu'on fait 3. Bah tant mieux. Si t'as pas de pub, tant mieux. Chaudière, quoique les pubs c'est des sous, mais tant mieux. Chaudière. Donc chaudière à fabriquer. Porte des soutes à charbon. Porte des soutes à charbon. Je pourrais pas l'écrire, hein. Donc j'enlève le D. Porte soutes à charbon. Toits ateliers. Toits des ateliers. Fabricateur. Fabricateur. Automatiser un petit peu toutes nos essences. Et puis doublement des réverbères. Doubler les réverbères. Réverbères, père. En fait, c'est éliminer tous les blocs zéro, tous les bleus zéro sur le quai, quoi. Allez, je balance la sauce. Hop. Et puis, je vais faire peut-être une micro-pause. Je reviens tout de suite pendant le sondage, hein. Ah oui, j'ai pas mis la montagne. Ouais. Montagne, c'est chaud, hein.
C'est les chaudières, hein. On va continuer les chaudières. Fabricateur 3. Porte Soutza charbon, double réverbère. Zéro voix. Ah, pour les toits des ateliers. Ouais, les toits des ateliers, c'est pas marrant, Marc. Hein. Donc les chaudières. Du coup, on va voir la montagne. pente de petits rigolos. On va vous faire une macronade. Ouais, la montagne. Après, on peut y monter, voir un peu comment c'est là-haut. Hein. Après, on fera les chaudières. Oui, si, c'est promis. Arrêtez de chouiner. Ça monte dru, hein. Oh oh! Et merci J1 pour les 53 mois. Gros béco. Et deux gros bécos bien baveux. C'est un niveau 2. Gros bisous à toi. Merci J1. Hop, hop, hop. Ouais, bah on est déjà là-haut, ouais. Ouais, il faudrait qu'on teste le principe. Donc déjà, on fait un truc à peu près plat. Et puis, on teste le principe de la machine qui tourne tout autour du truc. Le problème, c'est que plus elle va faire de virages... Ouais, je sais pas. Yenne sait pas. Après, elle est quand même assez plate, cette montagne. On a une belle vue de loin. Hein. On est en 24... en vue 24. C'est cool. C'est déjà mieux que la vue 12. Hein. C'est quoi là-bas? J'ai pas... Il faudrait que je me fasse une longue vue. Il faudrait que je me fasse une longue vue. J'ai pas Optifine. Ouais, allez, le... Aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a des cochonneries comme ça. Ça, c'est pénible. Ouais, faudra voir ce qu'on peut faire. On peut peut-être un petit peu automatiser... essayer d'automatiser le... Le grattage du truc. Mais il faut que j'essaye la machine à gratter. Oh vache, encore une belle faille là. La machine à gratter. Ouf. Dans les virages. Oh. Oh, un petit poussin. Oh, 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 oh. Pas d'image perdue. Filbur. Alors, qu'est-ce que vous aviez décidé? On double les réverbères? Salut Oscoco! J'adore ce que tu fais, mais je ne peux pas souvent regarder tes lives, bien sûr. Quand je peux, je les regarde. Merci à toi, Oscoco! Bonjour! Toc toc. Il est trop petit, faut le laisser grossir. Faut l'engraisser, J1. Il est trop petit. Il est trop petit. Bon! Où est-ce qu'on en était? On avait quasiment fini. Il faudrait qu'on refasse, qu'on relance une production de blocs de chaudière. Donc c'est 4 d'acier pour un de fer. On va voir un petit peu ce qu'il nous reste en fer. Hop, hop. Alors, 3132, je pense que c'est bon. Hein. 1, 2, 3, 4 et 501. Ça a fait du bien le niveau, ça a bien permis de grimper nos trucs. Alors, on balance le fer ici.
Hop, c'est parti. Hop. Qu'est-ce qu'il nous falloir d'autre? Il va falloir aller se coucher. Bon, on a un plumard là. Hein. C'est pas gênant. Reprenons notre cahier de course. Notre cahier, notre liste de choses à faire. Ah, ça me rappelle ce que Madame Z... Ah, il faudrait faire les vannes de chaudière. Il nous en faut 58. Pourquoi 58? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi 58? D'un coup là. D'un coup d'un seul. Pourquoi il en faudrait 58? Elles sont où les vannes de chaudière? 58? Non, c'est tout, on en veut 58. Peut-être que c'est écrit là. 5 chaudières simples, 5 fois 2 vannes de chaudière. 24 chaudières doubles. 24 fois 2. Ah! Ah ouais, parce qu'il en faut autant pour les simples que pour les doubles. Mais 24 fois 2, ça fait 48. Ah ouais, plus 5 fois 2, ça fait 58. Bon. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc comme c'est un petit nombre, on va dormir. Comme c'est un petit nombre, on va se les faire à la main. Ça se fait comment une vanne de chaudière? Donc 5 fois 58, il nous en faut il faut 116 blocs de chaudière. Ah oui, 4, mais ça en fait 2. Et des circuits de contrôle avancé, on va bouffer tous nos circuits de contrôle avancé ici en fait. Donc 116 blocs de chaudière. Bah ils vont être là hein. Hop. Je les prends tous. Je prends tout. Je prends tout. Je prends tout. Et 29. Bloc. Bloc, 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 bloc. Bloc, bloc, bloc. Et. Hop. 58. Alors le problème c'est que du coup j'aurai pas mon compte. Ouais, c'est pas grave. Ouais, de toute façon, je peux plus rien compter, là. Alors, 58 vannes de chaudière, fait. Ah oui, comme j'en ai pris... moins 116. C'est un stack plus 52. Bon, attends, je vais faire 2006. Moins 116. 1890. Divisé par 64. 29. Donc ça fait 29 plus... Modulo 34. Ça fait 29 plus 34. Donc 29 ça fait attends, on va faire ça comme ça. Hop. Et il en faut 34 en plus. Hop, qu'est-ce qu'il faut fabriquer d'autre? Les éléments de surchauffe. Il en faut 53. Et oui, parce qu'il y a 53 chaudières. Oh,
Ça, c'est rigolo, les éléments de surchauffe. Donc, il faut 53 boîtiers en acier. 212 lingots de cuivre et 212 poudres de redstone. Donc, 53... Bah voilà. On va aller chercher les lingots de cuivre. Il en faut 212. Alors 212, ça fait... ...128 plus 64, ça fait combien? Réfléchissement... 192. Donc 212, c'est 3 stacks plus 20. Ah, j'ai pris 3 stacks de cuivre. Mais je suis bébête, moi. Et hop! Et hop! Et on peut le cocher. Alors, disperseur de pression, il en faut 130. Et c'est là où il va falloir beaucoup de lingots d'acier. Les disperseurs de pression... Ils sont là. Donc, il nous faut 520 lingots d'acier. 86,7 lingots de fer. Parce qu'il nous faut... Et puis, en alliage infusé, il nous en faut 130. Donc, 2 stacks plus 2. Tac, tac, tac. Alors, on va aller chercher l'acier et les fers. Alors 520. 520, ça fait combien de stacks? Bon, là je sors la calculette. Comment ça? Ça fait depuis tout à l'heure, j'ai la tatuette et vous entendez claquer le clavier. Bon, mec, il faut 8 stacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus un chouille. Pour le faire, il en faut. Combien j'ai dit? 86,7. Ça fait 2 stacks quoi. En fait, il faut 520 520 grilles. Ah ouais, ça fait beaucoup ça. J'en ai probablement fait trop. j'ai peur d'en avoir fait trop. Quelle heure il est? C'est quoi qu'on est en train de faire? Disperseur de pression. C'est où? C'est là. Et il faut qu'on en fasse 130. Ah ouais, non, non, j'en ai pas fait assez. Il manque un petit peu de... On va aller dormir. C'est de l'orage, ça. C'est pas une pluie normale. Oh ouais, vous avez vu, ça a claqué. Clac, 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 clac. Ça fait peur, hein. Ça fait très, très, très peur, cette affaire-là. Donc, il faut encore du fer. Alors, je pense qu'en acier, on est bon.
On est à 2300, donc on va aller remettre une graine de fer. J'aurais pas dû passer par là. Il est passé par ici, il repassera par là. Il court, le petit Z. Le petit Z du Titanic. Hop. On passe là. À chaque fois que je passe là, ils sont petits les trucs. Ça me paraît bizarre. Tac 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 tac. Ah, ça commence à se stocker là. Alors, Iron Seed. Hop, hop. Alors, la scie, elle est où? Ouais, c'est un peu compliqué du coup pour y accéder. Elle est au milieu. Ah non, c'est Niron. Style. Allez. Donne ton Niron. Donne ton Niron. Bon, ben là, on en a 3 qui carburent. Ça va donner. Ça va donner. Là, là. Peut-être que je pourrais mettre un coffre là. Ah ouais, mais tout part dans le truc. Peut-être qu'on aurait pu mettre un coffre pour mettre les graines. Non, ça aurait été bien, non? Plutôt que d'aller les remettre après et dire ah oh, tiens, je vais en rajouter, je vais aller rechercher histoire de truc, de faire un truc un peu intelligent quoi. Voilà. Par exemple. Des fois, c'est bien de d'utiliser ses capacités cervicales. Neuronales. Cognitives. Textuelles. Où on en est? Il faut du fer. Il faut du fer. Et d'un autre côté, j'en ai peut-être des grilles. Non. J'ai pas l'impression qu'on en a des grilles. Ouh, petite grille, où êtes-vous? Bah ça, techniquement, c'est des trucs de construction. Ça serait bien que ça soit là-bas. Cérébral. Alors, en fait, il m'en faut autant que de... Il en faut 4 fois 50, il en faut 200. Là, par exemple, il n'y en a pas encore assez. Disperseur de pression, schlac, tac. Donc, il en faut encore 10, il en faut encore 40. Combien on en fait pour 40? 16 et 16, 32. 48. Donc là, ça devrait le faire. Hop, hop, et hop. Voilà, 64 plus 64 plus 2. Et on peut ranger tout le reste. Oh, on est content. Ça, ça va aller où? Ouais, ça va là. Ok. Bon, on va le mettre... on va le mettre ici. Qu'est-ce que c'est bien rangé? Hop! Alors, tac, tac, tac. Je reprends mon calepin. Disperseur de pression, c'est fait. Chauffeur à combustion. Bon là il faut les 159 boîtiers en acier qui restent. Bah il faut en faire 159 en fait hein. Donc 128 plus 31 ça fait 159. Et il faut 795 lingots d'acier. Parce que les chauffeurs à combustion, il faut 5.
il va falloir deux fours à chaque fois. Et donc 159, tac, 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 tac. Ça va avec. Donc il faut deux fois plus. Deux fois plus de fours. Ok, ben on va aller faire les fours. Il nous faut de la cobble. Donc il faut quasiment 5 stacks de fours. Si j'ai bien compris, puisqu'il faut deux fois ça. Donc 64 plus 64 plus 62. Pour faire deux stacks de fours, il faut 16 stacks de cobble. Déjà, on va en faire 8. Et hop. Ça va pas être suffisant. Ah, c'est pas 16 stacks qu'il faut, c'est 32 stacks. Il me faut le double, hein. C'est ça. Je dis pas de bêtises. Puisque là j'en ai un, là j'en ai un, là j'en ai deux. Oh vache, ça pique. Hop, encore. Je vais me tromper de grille. Ouais, c'est pas impossible. Hein. Il n'y a pas de détrompeur. Et puis encore un, mais seulement de 62. Bon. On n'est pas à deux fours près. Hop. Et après, eh ben, il faut 5 fois ça en lingot d'acier. J'ai encore 4 places. Alors, ben, on va les construire ici. Plaque. Plaque. Ah. Non. Non. Il en faut 159 et ça se stack pas. Ok. Ok. Comment on va faire? Allo Stone? On a un petit problème. Et ben il va falloir faire un pack. Ouf. Ouf. On en a pas un de rechange de pack. Un backpack. Attends, il faut que je jette des trucs là. Ça. Comment je peux cliquer? Oh là. Oh là. J'ai tout récupéré. Il n'y a plus rien qui traîne. Il y a tout récupéré. Ok. Donc on en a fait 9. Comment on va faire? Ça
Ça va être interminable. Bon, on va les faire au fur et à mesure, en fait, hein. Et on va les faire sur la machine. On va faire ça dans une machine. Sinon, ça va être impossible. Il va falloir des coffres, hein. Combien il faut de coffres? 159 divisé par 3 fois 9, 27. Peut-être que ça se met dans des tiroirs. Il faut 6 coffres. 3 doubles coffres. Mais peut-être que ça se range dans les tiroirs. On va voir. Des fois il y a des trucs. Il y a des trucs subtils avec les tiroirs. Hein. Il faut 6 backpacks. J'en ai 3. Alors attends, faut que je garde celui-là sur le coude. Allez, on en met un. J'ai l'impression que c'est passé. Attends. Ah, le X fonctionne plus. Attends, je veux celui-là. Je veux ma clé. Quantifions. Hop, ça passe. Donc on va le mettre là-dedans. Je vais péter ça. Ah. Je peux même pas le récupérer, ce coffre. Oh non. Misère. C'est toujours sûr, le petit Z, que tu t'obstines. Obstinément. Alors attends. On va s'aimer. La 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 la. Hop. Donc on fait comme ça. Là on charge tranquillou. Attends, il envoie de la redstone lui, hein. Il faudrait le déconnecter. N'envoie plus de redstone. On va le. Ah si, il pourrait. Si, on s'en fout si c'est dans un backpack. Ah bras, mais que je suis bête. Ah. Elle est où la torche de redstone? Hop. Vive les tiroirs. Ta 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 ta. Vive les tiroirs. Tandam. Hop. Donc on en a 2. Donc ici on a mis la recette. Donc il suffit de balancer plaque. Et hop, plop, 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 plop. Elle est pas belle la vitre. Et qui c'est le winner? Hein? Donc faut pas oublier de charger le bazar. Alors a priori. Ah bah le reste c'est déjà chargé. Ah ouais, ceux-là ils étaient en mode unique. Oh bah impeccable. Dès qu'il y a une truc qui se vide, pouf, ça prend la place. Bon, ça va tout créer. Oh bah c'est nickel. Alors, mon backpack pourri. Non. Non.
Faut que j'aille chercher une... Mais pourquoi tant de haine? Misère, misère. C'est toujours sûr, le petit Z. Ah, brin. Attends, bah on va le remettre dans le... Plop, 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 plop. Hop. Normalement, ça devrait multiplier, ça. C'est un upgrade 5. C'est un upgrade tier 5. Comment je sais... 32 x 32, ça devrait être bon, non? Ça fait 1024. Ouais, ça devrait être bon. Alors, attends. Plaque, 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 plaque. Là, donc, il y en a 55. Ah, il en reste en bas. Hop. On ramasse ça. On remet la torche. Ploc. La ploc. Eh ben, il nous aura donné du mal, celui-là. Je veux être sûr qu'on crée bien les 159. Je suis obligé de rester là. Attends, j'ai tout... Ça, on va le balancer... Comme ça, j'en aurai un vide. Alors, si jamais, il prend lequel, hein, par défaut, il prend l'autre. Impeccable. Ouais, l'avantage des coffres qui sont dans les modes, ouais. J'ai plus assez de lingots d'acier. Ok. Ouais, j'avais pas pris ce qu'il fallait, ouais. Je sais pas combien il m'en faut par contre. On va en prendre 5 stacks. Je ramènerai ce que j'ai pas consommé. Il faut 5 fois 57. Ouais, bah ça devrait aller 5 stacks. Ça devrait aller largement. Je suis obligé de rester là, hein. Sinon la machine elle s'arrête. Elle fait n'importe quoi. Si on la surveille pas, elle fait n'importe quoi. Ouais, oui, c'est l'avantage des coffres qui sont dans les modes, ouais, par rapport au... Mais il y a des trucs, je pense que c'est une erreur le fait de l'avoir défini comme non stackable. Tout le reste est stackable sauf ça. Je pense que c'est une erreur, ouais. Et c'est même pas remonté au test. Ou alors quelqu'un l'a remonté et le gars il s'est dit ouais, je l'ai fait exprès. Puis après il s'accroche à ça. Un peu comme les mecs de Mojang. Le dalle vertical, c'est hors de question. Bon apoya. Ça sent les petits cubes. Tu passeras le bonjour à Maud. Tu ouais, ça sent pas mal, ça. Zergout, ya.
Zergout? Bon, 158. Il en manque un, mais c'est normal, c'est la recette qu'il y a là. Donc là, il faut les récupérer à la mano. Parce que si on fait comme ça, ça va dans le... Pop, pop. Et si on fait comme ça... Ah, si, en deux fois. Donc là, il faut faire le dernier à la main. C'est un chauffeur à combustion. Tac. Et on le balance ici. Pac. Donc lui, ben, on le transportera comme ça dans le truc, hein. On le transportera comme ça dans le truc. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Chauffeur à combustion, c'est fait. Et conducteur thermique de base. Bon, ben ça, ce conducteur thermique de base, c'est des lingots d'acier, des lingots de cuivre. Ah, je l'ai pas là. Si, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il y en a 8. Donc il en faut 159. 159 divisé par 8. Ça fait 19. Bon, ben ça fait 20. Il faut 20 cuivres et 20 acier. 20 cuivres et 20 acier. Ouh, il est l'heure de faire dodo. 20 cuivres et 20 acier. Non, 20 cuivres et 40 acier. Ah bah j'en ai 37. 1, 2, 3. Et plop. Ça fait 159, ça. Et a priori, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, je suis pas sûr du tout pour les blocs de chaudière. J'en ai utilisé que pour les vannes de chaudière. Donc il m'en faut bien 1890. Et 1890... c'est bien 29 plus 34. Donc il m'en faut encore 1, 2, 3, 4... 5 stacks plus 34 plus 30 quoi pour faire un stack bah pour faire c'est le nombre qu'il faut donc pour faire 5 stacks il me faut 5 stacks d'acier. Des chances que je me sois trompé, hein, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Et un peu de fer. Donc ça devrait aller, là. On s'en tire pas mal. Si on a tout, là. Pop, pop. Déjà un stack. J'aurais pu tout balancer là. Hein. Puisque j'avais 5 plus 2.
Mais il va en manquer de toute façon. Ouais, j'ai pris 5 stacks. C'est plus 34. Ouais, il va en manquer une trentaine. C'est pas grave. Ah oui, sauf que... Alors attends, faudrait le charger comme ça le truc. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Encore un stack. Oh, on va pas être loin. On va pas être loin. Donc plus 34, il en manque 26. On est précis, hein, pointu. 26. Sauf que le problème, c'est que 26, c'est pas un multiple de 4. C'est 24 ou 28 qu'il fallait. Donc il en faut 2 de plus. Et hop. J'aurais pu y penser, hein. Vous auriez pu y penser, me le dire. Il faut que tu prennes un multiple de 4. Sort d'où Non mais hé, c'est la fête du slip là. Oh. Non mais sans blague. Ouais, ça je le récupère. Donc 4. Donc on en a un compte au lieu d'avoir 32, on a au lieu d'avoir 34, on a 36. Bon. Ils sont où là? Non, mais, attends, on va d'abord se recharger. Règle numéro 1. Les jauges à fond. Y'a que ça, hein? Oh. Y'en a d'autres, mais je sais pas où ils sont. Je les entends. Ils sont quand même pas là-haut. Ouh. Crève un long. Sorcellerie. Quoi que ça. Non, c'est pas ici qu'on le met. Alors le coffre, on le met là. Ça, on le plante, on le casse. Hop, hop.
Hop. Ça on le jette, on les garde pas les... Hop. Hein. Il va falloir maintenant descendre tout le bazar en bas. Ah bah donc le coffre j'aurais peut-être pu le garder. Oui, d'autant qu'il va falloir en remettre un à la place de celui qu'on va prendre. Là c'est un double qu'il faut en plus. Alors, il faut que j'en fasse deux. D'abord parce que je vais casser celui-là. Normalement je le récupère hein. Hop. Et lui. Non. Et donc ça, on va charger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le doubler ? Crafting Mugrad. Ah non, c'est pas... Non, c'est pas Crafting Mugrad. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour pouvoir faire du... Ah non, c'est juste que c'est un... C'est un iron. Et l'iron backpack, c'est un backpack avec 8 lingots de fer. Ok, bon on va l'augmenter, comme ça on va pouvoir mettre du double. Et après on va aller dormir parce que 18h28, 19h10, ouais tranquillou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plaque. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pardon madame. Aïe. Voilà, j'ai un double. J'ai du double. Donc par exemple, je prends tout ça. Plaque. Ah ouais, tiens, je vais... Ah oui, il faudrait que je... Donc. Tac. Tac, 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 tac. J'ai tout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tac, 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 tac. Donc, tac, 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 tac. Voilà, nickel. Ça, je peux même le mettre là. Oh, formidable. Trop fort, trop fort. Qui c'est le plus fort? Bien sûr, c'est le Z. Pop, 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 pop. Et c'est là que l'ascenseur est pas là et boum. Bah on va commencer, les premières chaudières vont être là. Par contre faut faire gaffe parce que la place... ah oui, il faut se mettre contre un truc en fait. J'ai balancé le sac à dos. Ça le faisait aussi remarquer de balancer le sac à dos. C'est pratique quand même, hein. On va pas le nier. C'est pratique. Voilà, on a tout le matos.
tout le matos pour les trucs. Disons quelle longueur ça... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Wap wap. T'as prévu les supports? Non, mais en fait, les supports, ça va être les... Non, on n'a pas prévu les supports. Va falloir qu'on regarde pour les supports. Il faut que j'aille boire du lait. Et... Ah si, j'en ai là. Mais il faudrait que j'aille recharger... J'aille recharger mes seaux de lait. Là j'ai plus de lait. J'ai plus de carottes non plus. Eh bien Marguerite. Et on est RP, on traite pas deux fois la même vache. Voilà. Allez, hop, hop. Euh... 19h15, il reste quoi, un quart d'heure? Plus les au revoir. Qu'est-ce qu'on va faire? On commence à désherber la montagne pour voir un peu. Ça va faire bizarre de la supprimer, non? Ça va pas faire bizarre? Oui, les supports de chaudière. Au début, j'avais mis des poteaux, puis j'avais mis des échafaudages. Mais maintenant, le problème, c'est si on fait l'alimentation... si on fait l'alimentation par le... par tube, que ce soit des pipaises ou des trucs, ça va prendre la place des supports prévus. Donc des deux côtés. Sauf pour les simples, qui vont être tout au bout. Où là, il y aura toujours des supports. Donc je pense que ça sera camouflé par des plaques... Bon, déjà ça sera dans le sol, hein. Donc ça se verra pas. Et devant, on mettra des plaques... des plaques d'acier avec chisel. En fait, tout l'avant de la chaudière, je pense, ça sera un 5 sur 5 avec les coins rognés, moins là, sauf pour l'eau. Sauf pour l'eau, ça sera du 5 sur 5 les coins rognés en plaque d'acier. Plus ici le dessous. Mais complètement masqué du coup. Ou alors on utilise les tubes... mais bon, il faut les masquer quand même. Hein. Si on utilise ça, faut quand même les masquer quoi. Ça va pas faire joli. Peut-être pas celui du milieu peut-être. Pour voir arriver le charbon. Au niveau charbon, on s'est complètement rechargé. Hein. C'était lui qui pompait comme c'était pas possible. Là, on est à 3. Ah vache, on a toujours pas... Oui, il faut être à 8. Faut être à 8 pour avoir 1%. 8 mégas forge énergie. FE c'est forge énergie. Hein. Donc, bah, je sais pas, faudra. Je pense qu'on fera de la modélisation sur place. Voir un petit peu ce que ça donne au niveau pied. Sachant qu'il faut faire quelque chose de plein pour masquer ça. Hein.
Et comme c'est censé être arrondi, ici, on fera peut-être un quart de bloc. Un quart de bloc dans la longueur, là. Pour que ça fasse un peu plus arrondi. On chisèle un peu le truc, quoi. Donc, du bloc d'acier, d'habillage, il va en falloir. Après, c'est juste du plaquage, alors peut-être qu'on va pas utiliser ici des blocs. Hein, si on met un plaquage devant. Parce que pour que tout soit au même niveau, on fera des essais. Hein. On fera des essais, mais la prochaine fois, donc mercredi. On se fera des essais mercredi. Le plaquage doit être de même niveau, donc derrière, on peut avoir du bloc de bras. Hein. Ou voire pas de bloc. C'est-à-dire qu'à la base, il peut y avoir un bloc pour faire le support, après on l'enlève, un bloc de bois, et puis on l'enlève après, une fois que c'est posé, quoi. Plutôt que d'avoir des gros blocs comme ça, qui coûtent cher, mine de rien. Même si on peut, une fois qu'on aura plus besoin de fer, on peut remettre trois graines d'acier ici, hein. Là, ça dépote, hein. Pop, 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 pop. C'est impeccable. On va peut-être se faire un lit. Parce que s'il faut redescendre de la montagne à cheval, il descendait de la montagne à cheval. De la laine rouge, est-ce qu'il y en a? Non, ça c'est du béton. Il n'y en a pas grammes, hein, de la laine rouge. Après, je pense que c'est pas 1 pour 3, c'est 1 pour. Non. 1 pour 8. Non, c'est 1 par laine, je crois. Ouais. Donc, ah, j'aurais mieux fait de faire un lit blanc et de le... Ah, qu'il est bête. Ah, qu'il est bête. Heureusement qu'on l'a en illimité. Hein. Sinon, on fait un lit blanc et on utilise un colorant pour le... Hop. J'ai ma pelle. J'ai de quoi faire des trucs. Ah ben on va dormir. 19h20. Ouais, bon, encore un petit quart d'heure. Et puis ce qu'on récupérera, c'est la machine qui faisait le grattage. Et on va on la modifiera pour faire un truc extérieur. Avec redéposition d'un... Redéposition d'un rail. Attends, j'avais fait un schéma. Redéposition d'un rail sur le côté. Ça a l'air pas bête comme histoire, ça. Donc si on fait une machine de 5-6 de large, c'est bon, on peut dormir. Pardon. Si on fait une machine de 5-6 de large... Ah, est-ce que j'ai la machine à couper? Ouais, couper les arbres. Ah, il faut que je reprenne des carottes. Parce qu'à 8, on va pas aller loin. On va prendre peut-être 2 stacks de carottes. Sacré arbre qu'il y a là.
Déjà, on se pointe au plus haut et on rase tout. C'est ici le plus haut. Vache, les pommes qu'il a larguées, lui. Je prends une efficacité 5. Ah non, efficacité 3. On va peut-être passer à s'en faire une en efficacité 5, hein. Pour l'herbe, c'est un peu... La terre, ça va vite, mais l'herbe... Puis j'aurais peut-être dû prendre des petites pilules. Une fois qu'on a une surface assez grande, on pourra commencer à faire nos essais. Une surface assez grande plate. Regarde tout, hein. Oh, c'est quoi ça? Des oignons. C'est bon, les oignons. Peut-être pas les œufs. Ça fait déjà pas mal là. Après, il faut quand même de quoi avoir quand même installé le système de rail.
truc-là et qu'il soit pas trop trop loin. Ouais, c'est ça le truc, qu'il soit pas trop trop loin du bord. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un truc un peu carré, quoi. Étant elle-même pas carrée, c'est ça qui va pas être évident, hein. Mais bon, faudra prévoir un truc assez large. Au moins une dizaine de blocs, hein. Ouais, parce qu'après, quand on sera à ces niveaux-là, il faudra bouger le. Faudra éventuellement bouger le système de rails que le truc aura installé. Ou sinon ils font en faire un plus gros bout à la mano, quoi. Ce qui est pas évident. Ouais. Réfléchissement. Salut Christo, ouais, on va arrêter là. Je pense qu'on va aller passer aux petites choses sérieuses, aux petits cubes, après avoir joué avec les gros cubes. C'est impeccable la visibilité à 24, hein. On voit tout le bateau là. On voit tout notre chantier. Quand le bateau sera fini, ça va faire des vues sympas, quoi. Du coup, oui, on aura pu. Il va peut-être quand même falloir la garder un petit peu, la montagne. Mais ce qu'il faudrait, c'est gratter ce truc-là. En fait, ce qu'il faudrait surtout, c'est gratter cet aspect-là. Plus que la montagne en elle-même. On ferait quasiment une machine qui gratte les bords. À ce moment-là, il faudrait qu'elle attaque d'en bas. Enfin, par le bas. Et là, par exemple, on la passerait ici. Et... Après, on la décale. Et elle déplace en fait la montagne vers la droite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce que j'avais dit, ça serait pas plus mal d'avoir en fait... Donc au départ, on est comme ça. Donc on se met une voie qui fait le long de la montagne.
Et le système, on va le mettre en bleu. Gratte ça par exemple. Et enlève tout ça. Après on vient remettre la voie ici, ça gratte ici. On revient remettre la voie ici, ça gratte ici. Et puis après on reprend. S'il en refaut encore, on remet la voie ici, ça gratte ici. On remet la voie ici, ça gratte ici, etc. etc. Et ça serait peut-être plus malin. Plus malin qu'enlever complètement toute cette pauvre montagne qui a rien demandé, la pauvrette. Et là on partirait du bas. Donc imagine qu'on est à un bloc, un bloc, un bloc, donc à 45 degrés. On serait déjà mieux qu'avec ces grosses falaises de 3 là, qui font que on domine le truc. Ce serait plus léger quoi. Ça serait plus léger. Ouais c'est ça, plutôt que de la couper, c'est adoucir. Peut-être avec en partie haute du 2 sur 2 quoi. Même si on démarre à 45 degrés et puis après on adoucit doucettement. Ce qui fait que là-haut on pourrait continuer à avoir une belle vue si on garde cette hauteur. Et bon bah lui on va le couper le mien. Là. Tant pis pour le miel. Par contre, le premier chemin à faire pour le grattage, il risque d'être un peu chaud. Mais comme on va toujours gratter dans le même sens, donc on gardera le truc sans rotation. Donc ça passera, crac, crac, crac. Quand ça passera comme ça, ça fera plus rien et ça... Vous voyez, par exemple, là on gratte, donc on passe ici. Et puis, donc faudrait voir là, sur quelle hauteur on le fait. Si on fait du 5 de haut. Ou 6, ça veut dire qu'on passerait une première fois ici. Tac, 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 tac. Après, on se déplace comme ça. Hop, on rentre dedans. Hop, on se déplace comme ça. Hop, on rentre dedans. Et ça, en plusieurs passes. Ça risque de pas faire très, très, très naturel. Hein. Ouais, puis il y a ce... Ça passerait quand même. Ouais, je sais pas. Faut qu'on réfléchisse. Faut qu'on réfléchisse à ça. On est pas pressé, hein. Mais je pense qu'il faut partir du bas parce que du haut parce que du bas, il faut des carottes. Je crois que les fleurs, ouais, elles vont atterrir ici. on n'a pas dû, j'ai pas dû faire un truc spécifique aux fleurs. Terre, ça, ça, ça. Ah tiens, j'ai mis mes carottes ici. Ça, ça, ça. Ça doit être bon. Les oignons, il doit y en avoir. Ah non, les oignons.
Les fleurs, on les replante dehors. On les replante dehors. Alors attends, il faut que je rebascule sur celui-là. Pour récupérer le quantifieur. Parce que là, c'est pas quantifié. C'est bloqué, mais pas quantifié. Hop, allez, on range ça, puis on va aller replanter les fleurs. Parce qu'on aime bien les petites fleurs, nous. On est des poètes. Oh vache. Pouette pouette. Faudra probablement remettre des couches de terre derrière. Derrière où? Ah, une fois qu'on aura fait le grattage, refaire un... Ouais, ce qui serait bien, c'est que ça soit... Oui, du coup, ça peut nous amener assez loin. Hein. Quand même. Bonsoir, Simoé. La forme, oui. Mais bonsoir et bonsoir, parce qu'on va arrêter le live là. On va aller passer aux choses sérieuses. Au petit cube. Ouais, ouais, ouais. Bon, on aura bien avancé quand même. On a monté de deux niveaux. Enfin, de un niveau. On a validé le niveau 9 et on est monté à la couche 10. Aux couches 10 mètres. Donc le rouge va jusqu'ici. Hein, on est à la... Il y a un niveau d'eau en dessous. Donc le rouge, on va bientôt avoir fini le rouge. On passerait... Après, on passera au noir. Mais à ce moment-là, je changerai provisoirement le... Le ressource pack pour qu'il soit un peu plus gris, qu'on le voie un peu plus. Parce que sinon c'est pénible. Et puis on a construit tout ce qu'il fallait pour les chaudières. Donc après on va pouvoir s'installer le système de chaudière. Alors tout a été descendu en bas et c'est dans les coffres. Il n'y a plus qu'à le faire. Et puis c'est déjà pas mal. Parce que mine de rien c'était du boulot. C'était du boulot. Donc ça avance doucettement, on est parti pour 400 épisodes hein, de toute façon. Faut juste tenir le truc pour pas lâcher en cours de route et le finir complètement. Le finir complètement. Et surtout on a une super production d'acier maintenant. Plop plop plop. Même si maintenant on carbure un peu sur le fer. Bien, 798 fer. Donc on a 3 cloches. Quand on veut booster un peu notre production, on met des graines dans les cloches et ça booste pas mal. Je vais donc vous souhaiter une bonne soirée. Je vais remercier les modérateurs, les donateurs et vous tous. Des gros bisous. Une bonne soirée, une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Une bonne fin de semaine. Et puis si vous le voulez, on se retrouve lundi à 15h pour du Factorio. On redémarre la semaine doucement. A priori, c'est une semaine normale. Donc, mardi, projet Amiens dans Minecraft. Mercredi, on reprend le Titanic. Jeudi, je ne sais pas encore. On fera peut-être le Titanic. Hein. Il faut mettre les bouchées doubles. Tant que c'est calme au niveau des autres projets, peut-être jeudi Titanic. Vendredi, la simulation de vol. On continue notre tour du monde en Érythrée. Et puis, j'abandonne au AVI. Je ferai peut-être un test si je peux sur VATSIM. Et sinon, on volera en solo. Hein, si on peut pas. si on peut pas, on peut pas. Si on peut pas, on peut pas. Et samedi, on se retrouvera pour le Titanic. Je vous fais des gros bisous. Et puis, encore une bonne soirée. Adé!